Mais je comprends pas sa réaction. Il a jamais été là pour eux. Toujours occupé, toujours un prétexte pour pas participer aux loisirs des enfants. Il s'est jamais soucié de leur santé. Et voilà qu'hier, quand je récupérais les enfants, il veut pas me les rendre. Tout ça pour faire pression sur moi, parce que je veux pas lui laisser la garde. Hein. Pff, c'est vraiment lamentable. En fait, la garde, il s'en fiche pas mal. Pff, tout ce qu'il veut, c'est m'empoisonner. Kevin avait rendez-vous chez le pédiatre. Bien entendu, il a oublié. Il se couche à pas d'heure. Les enfants sont épuisés et lui, il gère rien. Oui, maman? Non, non, ça va. Oui, bon, je suis grande, allez, c'est bon, ça va. Au revoir. Excusez-moi. Bon, le problème, en fait, c'est que juridiquement, il est dans ses droits. Alors, je pense qu'on pourrait organiser une rencontre, si vous êtes d'accord. Hein? Oh, Claire. Au fait, ma mère s'inquiète. Elle vous a laissé plusieurs messages, mais vous n'avez pas répondu. Je suis un petit peu préoccupée en ce moment, et puis j'ai pas le temps. Au revoir. Julien, je t'ai laissé ton dîner dans le frigo. Je vais me coucher là. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Que je l'empêchais de récupérer les enfants? Non mais vous rigolez, c'est absurde. Pas du tout. Écoutez, je crois que ma femme ne va pas bien du tout. Donc ça se réglera au tribunal, voilà. Je suis désolé, madame. Au revoir. Comment ça va, ma chérie? Ça fait longtemps que je voulais passer te voir. Je te dérange pas. Je partais pour Bordeaux quand je me suis dit que je préférais plutôt d'être chez toi que d'aller à l'hôtel. Comme ça, je pourrais te voir un peu. Et puis, tu réponds pas souvent au téléphone. Écoute, je t'explique pas la circulation qu'il y a. Oh, mais ils sont fous dans ce pays. Bon, enfin, bref, ça te dit un thé? Bon, allez, rentre. En fait, je t'ai pas dit, j'ai décidé de changer le papier peint. Mon père, il est pas très ravi, mais bon, c'est vrai que
arrivée à son âge, fait plus de bricolage. J'avais l'intention d'engager le voisin, tu sais, le petit Emilio. Et au fait, qu'est-ce que tu fais de la maison ? La maison, qu'est-ce qu'elle a, la maison ? Tu t'es renseignée auprès des agences ? T'as des acheteurs ? Enfin, je sais pas, t'as prévu ? Qu'est-ce que tu as prévu ? Je n'ai rien prévu du tout, on la garde. Ah, oh, on la garde ? Je la garde et on n'en parle plus. Je sais pas. Non, ne viens pas. Je voudrais pas qu'elle se doute de quelque chose. Ça te dérange pas que je reste couchée chez toi ? Elle était devant la porte. Non mais tu te rends compte ? Tout le temps à s'occuper de mes oignons, j'en ai marre. Elle m'attendait devant. Elle a même prétexté que j'allais à Bordeaux. C'est pas vrai. Je le sais pas. Julien est mort.